Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mediapart Live. Nous vous proposons ce soir un débat sur les services publics à partir de 20h30. Alors les services publics, après 30 ans de logique néolibérale, de new management, ça a produit des ravages. Comment reconstruire un service public moderne au service des citoyens, au service de l'égalité entre les territoires On en parle de 20h30 à 22h. Avec des invités, euh, des chercheurs, des militants, des élus. Et avant cela, Mediapart n'est pas un service public. Nous vivons de vos abonnements et vous pouvez profiter actuellement d'une offre imbattable 1 euro pour 15 jours. Donc 1 euro pour 15 jours pour vous abonner à Mediapart. Donc abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et tout de suite, nous allons commencer avec notre premier débat de la soirée. Alors, un débat sur la non-mixité en politique et sur ses usages militants. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Kiemis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes blogueuse, vous êtes Tout militante afroféministe. Tout à fait. Et nous avons également le plaisir de recevoir Sophie Vanich. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de la Révolution française, vous êtes venue déjà à plusieurs reprises sur le plateau de, de Mediapart, donc nos, nos lecteurs et nos lectrices euh, euh, vous connaissent sans doute déjà. Euh, et si nous avons souhaité organiser ce soir euh, cette discussion, c'est évidemment à l'occasion de la polémique qui a provoqué l'organisation d'un festival, un festival militant, un festival afro-féministe européen, le festival Mian Sapo, qui a été euh, initié par un collectif. Euh, le collectif euh, Moissy, qui est lui-même un collectif militant afroféministe, et ce qui a déclenché euh, toute une controverse, c'est le fait que euh, ce collectif souhaite organiser une grande partie des débats de ce festival en non mixité. Alors en non mixité, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, une partie des discussions de ce festival euh, serait organisée euh, de la manière suivante un espace non mixte pour les femmes noires où seraient abordées des questions de stratégie politique, les théories afroféministes et le CAIR, des espaces non mixtes pour les personnes noires, et là plutôt sur des, pour des discussions autour de la communauté noire et les luttes euh, afro, également des espaces non mixtes pour les femmes racisées, où vont être discutées la question des féminismes décoloniaux, enfin il y aura également des espaces mixtes, donc euh, ouverts à toutes et à tous, euh, pour d'autres discussions et alors, ce qui s'est passé, pour résumer euh, brièvement euh, les événements de, de ces derniers jours, c'est que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé le week-end dernier vouloir interdire euh, ce festival et envisager de poursuivre euh, ses organisatrices pour fait de discrimination. Alors, finalement, lundi, euh, la maire de Paris a annoncé revenir sur sa décision, considérant que euh, une solution claire avait été établie pour l'organisation de ce festival, à savoir que euh, les réunions euh, mixtes ouvertes à tous et à toutes se passeront dans le lieu public euh, prévu par le festival, à savoir la Générale, qui est un lieu parisien, d'où l'intervention de la mairie de Paris dans le 11e arrondissement, et euh, les réunions euh, non mixtes se tiendraient dans des espaces privés. Alors, de leur côté, les organisatrices du festival ont expliqué qu'en en fait, euh, tel était euh, le dispositif prévu euh, dès le départ. Quoi qu'il en soit, euh, dans cette configuration, le festival doit avoir lieu. Euh, et les dates prévues sont les 28 et 30 juillet prochains à Paris, donc un festival sur deux jours. Et malgré tout, on a bien vu la violence et le nombre de réactions à l'annonce de l'organisation de ce festival frappe euh, l'attention. Et euh, j'aimerais citer notamment euh, le fait que la Licra. Donc, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, en fait, est montée très fort au créneau contre ce festival, dénonçant un festival, selon leurs mots, interdit aux blancs. Alors, euh, cette expression mérite euh, qu'on s'y arrête, car <laughs> cette formule, en réalité, a été forgée par l'extrême droite, euh, puisque c'est le trésorier du Front national, Valérand de Saint-Just, qui l'a fait circuler euh, sur Twitter. Cette expression de festival interdit aux blancs a été également reprise par le site d'extrême droite F de Souche, donc Français de Souche, et cette expression a ensuite circulé, donc reprise par la LICRA, par la mairie de Paris. On a également pu lire un communiqué de SOS Racisme dénonçant au sujet de ce festival une logique provocante et discriminatoire. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'un terme venu de l'extrême droite puisse être repris de cette manière par une organisation antiraciste et par la mairie de Paris On voit bien qu'il y a là, au minimum, une énorme incompréhension et au pire, un rejet clair et net de la part d'une partie de la gauche institutionnelle et de certaines organisations. Antiraciste, et c'est la raison pour laquelle on est vraiment très heureux de, de pouvoir vous accueillir toutes les deux pour en discuter. Et je précise tout de suite que euh, nous avons bien sûr invité le collectif Moissy, donc les organisatrices euh, de ce festival, mais qu'elles ont préféré décliner l'invitation euh, parce qu'elles ont une politique de euh, non-communication euh, envers les médias, en tout cas dans ce contexte-là. Ce contexte c'est pourquoi, euh, Miss, on est bien heureux de, de vous avoir. Alors, je précise tout de suite, vous, euh, vous ne faites pas partie du collectif. Euh, donc vous n'êtes pas organisatrice euh, de ce festival, mais si on a souhaité vous inviter, c'est que par ailleurs, vous êtes une militante, une militante afroféministe, et que vous vous retrouvez dans au moins, on va dire, une partie euh, des combats de Moissy, et, et dans les intentions, ou au moins une partie euh, d'entre elles, de ce festival. C'est pourquoi euh, euh, ce sera vraiment intéressant de, de vous entendre, et j'aimerais bien euh, commencer cette discussion, avec une question finalement très simple, enfin, question simple, je ne sais pas si la réponse euh, le sera. Euh, qu'est-ce que l'afroféminisme Et surtout, qu'est-ce qu'on défend euh, quand on s'affiche et on se dit militante afroféministe en France aujourd'hui Alors, euh, je pense que c'est plus simple de commencer. Déjà, bonjour, <laughs> bonsoir, merci de m'avoir invitée. Je pense que c'est plus simple de euh, répondre à cette question en, en répondant d'abord à la deuxième question. Ok. Euh, pour moi, quand on est afroféministe, euh, aujourd'hui, on défend euh, la justice sociale. Ce que j'appelle la justice sociale, c'est-à-dire la lutte contre les euh, oppressions euh, qui touchent notamment les femmes noires. Donc, ce sont des oppressions euh, liées à une, euh, à une assignation euh, raciale, ce sont des oppressions liées au genre, ce sont aussi des oppressions qui sont liées à la classe. Et évidemment, euh, parce que toutes les femmes noires ne sont pas hétérosexuelles, parce qu'elles ne sont pas toutes cisgenres. Ce sont tout ce, tout ce type d'oppression euh, contre lequel on lutte quand on est euh, afroféministe en France aujourd'hui. Euh, euh, c'est important euh, de le souligner. Euh, et euh, pour moi, euh, être afroféministe, c'est euh, croire en cet idéal de justice sociale et d'émancipation. C'est-à-dire. Euh, croire qu'un jour, euh, grâce à notre combat, euh, il n'y aura plus de racisme, plus de sexisme, plus d'oppression classiste ou euh, euh, capitaliste, en tout cas, qui, qui touche de plein fouet les femmes noires. Euh, et, euh, et ce type, donc c'est lutter contre ces injustices, en fait, pour moi. Euh, euh, pour être afroféministe, pour moi, ça veut dire qu'il faut... Euh, ça, ça, ça sous-entend beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, appréhender euh, des questions qui sont très peu présentes en France. La question du féminisme euh, arrive lentement, difficilement euh, dans l'espace public français, dans les universités. La question euh, de classe est présente à gauche, dans la gauche institutionnelle depuis très longtemps. La question de la race est euh, tout à fait absente, en tout cas effacée, je dirais plus même effacée. Euh, euh, des critiques, euh, des injustices euh, qui, qui peuvent exister, en tout cas elle n'est pas portée par la gauche institutionnelle donc euh, en tant qu'afroféministe pour moi c'est important de porter une critique très forte en fait des oppressions racistes et, euh, et euh, euh, qui sont créées par une suprématie euh, blanche masculine et, euh, et capitaliste, et, et, et capitaliste quoi. Alors, si on, on, on part du cas particulier donc, de ce festival, euh, Sapo, d'ailleurs, c'est intéressant d'expliquer de, de, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça. C'est une Adinkra, c'est-à-dire un symbole euh, visuel euh, qui vient du Ghana et de Côte d'Ivoire, si j'ai si bien compris, et qui signifie nœud de la sagesse, intelligence, euh, ingéniosité. Donc, on est vraiment sur un symbole extrêmement euh, enfin, positif. Euh, si on reprend l'exemple de ce festival, euh, qui est Miss... Pour vous, à quoi pourrait y servir euh, la non-mixité dans l'organisation des, des débats qui, euh, qui y sont prévus Alors, je pense que la non-mixité euh, euh, de genre et la non-mixité raciale euh, a deux buts dans, dans, dans ce cadre-là, mais dans d'autres cadres hein, d'ailleurs. Euh, premièrement, selon moi, elle permet de libérer une parole qui est difficilement. Euh, déjà qui n'est pas vocalisée dans l'espace public. Euh, il euh, y a une difficulté à parler des questions de sexisme, il y a une difficulté à parler des questions de racisme, euh, que ce soit euh, donc dans l'espace public, mais même à gauche, euh, qui fait que la non permet euh, cet espace relativement sécurisant. On est avec des gens qui comprennent la nécessité du combat on est avec des gens qui ne vont pas remettre en cause la nécessité du combat. Selon moi, on est aussi avec des gens qui ne sont pas forcément dans une posture de spectateur. Parce qu'il y a aussi ça, en fait. Quand on, on est dans des réunions mixtes, il y a des gens qui sont de bonne foi, mais ils sont là comme des spectateurs, en fait. Pour s'informer Pour s'informer, ouais. mais ouais. Il, y a il, y a, il y a beaucoup de manières mmh. de s'informer. Ouais. Euh, moi, sur ces questions, je me suis informée. J'étais pas forcément... Il bah, n'y avait pas non plus beaucoup de choses, mais euh, il y a beaucoup de façons de s'informer sans se poser comme spectateur ou sociologue, enfin, ou ethnologue, en tout cas, avoir cet œil extérieur. En fait. Et euh, donc, du coup, on n'est plus, euh, plus soumise à un regard extérieur qui est voilà, euh, potentiellement négatif, qui va potentiellement euh, poser des questions euh, pour s'informer, mais toujours les mêmes questions, les, des questions qui sont souvent récurrentes. En fait. Moi, par exemple, souvent, je suis dans des réunions euh, féministes ou antiracistes. C'est les mêmes questions qui, qui, qui reviennent et c'est les mêmes débats. C'est vraiment euh, des questions récurrentes. Euh, pourquoi vous appelez féministe et pas égalitariste euh, La race, il euh, n'y a pas de race. Enfin, euh, il a pas de race biologique, mais personne n'a dit qu'il y avait une race biologique. Enfin, c'est toujours les mêmes questions qui, et, qui nous font, qui font perdre du temps. Et donc là, j'en viens à mon deuxième point, ouais. qui font perdre du temps à euh, aux, aux militants qui aimeraient traiter, euh, euh, donc euh, parler de cette oppression, euh, libérer la parole, expier un peu aussi. Euh, tous les sentiments que peuvent provoquer ces, op ces oppressions, mais qui ont besoin aussi de s'organiser. Et quand on explique, on s'organise pas, en fait. On, enfin, on, on, on fait un travail de pédagogie, c'est une chose qui voilà, est... Je, Moi-même, je, moi je, je suis pour le travail de pédagogie, mais, le, mais le, le travail de pédagogie prend beaucoup de temps. Et si on n'a pas à côté un, un, un lieu où on peut s'organiser concrètement, euh, 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 on peut, ne on peut même plus faire cette pédagogie, finalement, en fait. On n'a même plus le temps de réfléchir, de réfléchir à ces oppressions sans œil extérieur. Donc, en gros, euh, pour moi, il y a vraiment deux raisons qui sont principales. Donc, il y a une raison voilà, de, de témoignage, etc. Mais il y a des raisons aussi de manière pragmatique, organisationnelle. Il euh, n'y a que 24 heures dans une journée. Parfois, il y a trois réunions. On ne peut pas passer une heure à chaque fois à répondre toujours aux mêmes questions. – D'accord. D'accord. Alors, euh, il si, euh, y, y a par exemple Christine Delphi, qui est une militante euh, féministe, une théoricienne, qui a écrit sur euh, l'importance de la non-mixité choisie. Elle dit que ça doit, ça doit être la pratique de base de toute lutte d'auto-émancipation. Et c'est vrai que si on regarde historiquement euh, de, le mouvement des droits civiques américains, les mouvements euh, féministes euh, au moins depuis euh, les années 70, euh, le mouvement LGBT, tous ces mouvements euh, ont eu historiquement et ont encore recours à des réunions euh, qui, euh, ou à des, à des formes d'organisation de, qui passent par euh, la non-mixité euh, choisie. Euh, Sophie Vanige, vous qui êtes historienne. Face À ça, comment expliquer que euh, la non-mixité de militantes afro-féministes continue à sembler aussi inacceptable aux yeux d'une partie de la gauche hein, Vous qui êtes historienne, alors je sais pas si je peux répondre en historienne à, à une partie de la gauche ne supporte pas, etc. Mais par contre, en, en plutôt en étant attentive aux enjeux de vocabulaire, ouais. euh, la question de la mixité renvoie à un paradigme qui est très large, y compris à, en partie. En partie à celle de l'imaginaire du métissage. Et l'affirmation euh, démocratique est celle du mélange. Et donc, entre mix, métisse, mélange, il euh, y a énormément de, de choses qui sont charriées sur un mode, euh, je dirais, euh, pas vraiment inconscient, mais en tout cas qui n'est pas euh, nécessairement facile à démêler. Et donc, c'est considéré comme une atteinte à ce que doit être euh, une réalisation démocratique, c'est-à-dire le lieu de l'hétérogène, où on est capable d'assumer cet hétérogène et de faire en sorte que les relations soient sans domination. Et c'est là où le bas blesse. Et que si les relations sont sans domination, là, ça veut dire qu'on a atteint cet idéal démocratique, qu'on est capable de l'instituer. Donc quand on dit euh, que ce soit les afroféministes, que ce soit les féministes à Nuit de boule l'année dernière, ou que ce soit dans d'autres cadres, quand on affiche le fait qu'on veut quelque chose de non-mixte, en fait ce qu'on exprime... Euh, sur un mode qui euh, reste provocateur pour les raisons que je viens d'évoquer ce qu'on affirme c'est que en fait la société dans laquelle on est n'a pas réussi à réduire la domination et donc on affirme aux gens qui euh, sont en face euh, vous appartenez euh, aux groupes qui sont dominants et c'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte de cette nécessité quand on est dans les groupes dominés de trouver des espaces qui sont des espaces protégés. Mais ces espaces protégés, c'est le fondement, effectivement, de la possibilité d'élaborer sa position. Et c'est le fondement de la création des groupements politiques. Donc tout groupement politique choisit même entre euh, la non-mixité, euh, la privatisation ou la clandestinité. Et donc, quand on est dans un, une situation où on estime qu'il y a du danger à, à parler à n'importe qui, eh bien on choisit ces différentes modalités euh, de sécurisation de l'élaboration. Et bon, alors moi je suis historienne de la Révolution française, comme les gens savent, mais pour préparer la bascule des États généraux à l'Assemblée nationale constituante, eh bien le club breton se réunit le soir et n'accueille que certaines personnes qui sont choisies, qui sont cooptées, et pas n'importe qui. Ce n'est pas ouvert à tout venant de l'Assemblée des États généraux. C'est ouvert à ceux qui préparent ce point de bascule. Euh, quand on a l'efflorescence de l'espace public, ce qu'on appelle l'espace public démocratique de la Révolution française, bah, les gens euh, vont dans différents clubs par affinité et c'est des clubs qui sont privés. C'est-à-dire, euh, on, on considère pour autant que ça construit l'espace public démocratique parce que ça va permettre de produire des énoncés politiques qui vont circuler dans l'espace par les journaux, par euh, éventuellement des pamphlets, enfin toutes sortes de choses. Mais quand on appartient au Cordelier, eh ben, c'est une certaine sensibilité politique, on paye, on paye une certaine somme pour appatronner un un cordelier, aux un Jacobin pareil, à une société fraternelle de quartier pareil. Et euh, c'est vrai que l'envers le, le, par rapport aujourd'hui, c'est que la conquête révolutionnaire, c'est d'avoir quelques rares sociétés mixtes où on a à la fois euh, des patriotes euh, des deux sexes, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui ont des fonctions qui ne sont pas des fonctions hiérarchisées par genre, qui peuvent être secrétaires de la section, qu'on soit homme ou femme. C'est l'Assemblée qui ne supporte pas, quand on propose une députation à l'Assemblée où il y aura des hommes et des femmes, on ne trouve pas ça satisfaisant à l'Assemblée, on dit non, on ne va recevoir que les hommes. Donc on a là la question de comment se joue l'espace séparé pour se construire et comment se joue, pour dénoncer la domination, le rapport qu'on institue à, euh, à la mixité ou à la non-mixité. Pendant la période révolutionnaire, sur le plan en tout cas... De la question du genre, euh, afficher une mixité, c'est radical. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'idéal intériorisé, c'est que tout le monde serait capable aujourd'hui de participer à des espaces mixtes, et donc ceux qui ne veulent pas de mixité, c'est pas bien. Alors afficher le fait qu'il y a de la domination et qu'il faut se battre contre quelque chose, c'est afficher la non mixité. Après, je pense qu'il y a aussi une part de provocation et qu'il y a quelque chose qui n'est pas pensé sur les différents types d'espaces. Clandestin, privé, public. Ce qui me parle et de revendication, même. Il Ce n'est pas que de la revendication, il ouais. y a aussi de la provocation. Parce que si on ne provoque pas un peu, il n'y a pas de débat. La provocation a produit des effets. Euh, et donc, du coup, il y a du débat. Et donc, c'est aussi le fonctionnement de notre espace public qui produit euh, parfois des, des situations qui sont effectivement d'inter-incompréhension. Mais qu'est-ce que c'est que l'espace public C'est finalement ça la question qui est, qui est posée par ce genre de, de situation. Un, un lieu comme un festival, euh, c'est un lieu où on se rend si on en a envie. Mais on peut aussi le perturber. Donc on peut aussi avoir envie de le protéger. Donc il y, y a vraiment toute une série de questions qu'on essaye de, de se poser euh, à travers ce genre d'événement, qu'on ne se pose pas suffisamment au quotidien. Après, il me semble que la mairie de Paris avait loué la salle. Bah, Qu'est-ce que c'est l'articulation entre location, une location vraiment produite de l'espace un peu privatisé euh, et euh, l'idée que c'est un espace public parce que ça appartient à une mairie, pas bah, tout à fait. Voilà. Qui est Miss Juste, euh, je crois que en fait les espaces qui étaient loués par la mairie pendant le festival étaient ouverts en fait. Le, la, la, la non mixité euh, bon, est... On peut ouvrir sa maison. Parce enfin, Mais que je veux non. dire, c'est pas parce en que. Est-ce que vous reconnaissez? Fin... Est-ce que, est que la provocation que décrit Sophie Vaniche, pour vous, peut faire partie aussi d'un geste politique Je pense finalement. que, en fait, c'est vu comme étant une provocation parce que ça, ça pointe du doigt une réalité et un, 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 un impensé qui est l'impensé de la race, en fait, particulièrement. Je pense que c'est en ça, ça que c'est aussi, euh, euh, boule, euh, aussi euh, frappant Mais et non. irritant, oui. euh, et euh, irritant pour euh, des personnes qui ne se voient pas. J'ai pas envie de dire qu'il ne se voit pas comme blanc parce que c'est pas tout à fait exact pour moi, mais en tout cas qu'il ne se pense pas au jour le jour comme blanc. Donc euh, euh, la provocation est aussi brutale parce que là on parle de réserve, et en plus les termes qui ont été utilisés aussi euh, et qui ont fait que le festival euh, est arrivé dans, les, dans le débat public général, je dirais, c'est interdit aux blancs. Ouais. Si ça avait été réservé aux femmes noires. Euh, ça aurait été différent et, et ce que vous dites est très intéressant par rapport à la clandestinité parce que j'ai vu aussi dire vous n'étiez pas obligé de le dire de l'affirmer aussi, aussi clairement en fait. vous auriez pu trouver une manière euh, de, 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 de construire l'événement sans, euh, sans dire que c'était pour les femmes noires mais bon, il n'y aurait que des femmes noires qui seraient venues. Moi je pense que le, 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 ce qui est intéressant euh, dans ce, ce qui a été intéressant dans ce débat, c'est que on a dévoilé en fait la question de la race et on est tellement dans un. Enfin, pour moi, on est dans une société qui ne pose pas ces questions, qui considère parfois que c'est un sujet qui est importé des États-Unis. Euh, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord parce que enfin, pourquoi je suis pas d'accord, c'est parce que j'ai l'impression que cette analyse, elle nie, elle invisibilise des histoires euh, antiracistes. Française, francophone, et euh, le propre sympa. rapport à la France, et à la race, en fait. Donc... Oui, mais justement, pour le coup, la ligne de couleur, qui est quand même la position américaine, n'est pas la, la vraie question française, qui est un, une question qui est plus lourde, en fait, qui est la question des mœurs, euh... et c'est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que euh, je, je dans une certaine mesure, il y a une capacité à supporter euh, la couleur beaucoup plus que l'écart social lié à la couleur. Je... Et ça a été construit euh, historiquement, et du coup, il y a quelque chose qui est perdu aussi. De l'endroit où la lutte se joue. Et donc, ce n'est pas un débat euh, inintéressant de se demander quelle est la spécificité des luttes euh, dans un espace français par rapport à un espace américain, tout en reconnaissant Bien effectivement qu'il y a sûr. des luttes qui sont d'ailleurs de longue durée, hein, qui démarrent euh, au XVIIIe siècle, oui, euh, pas seulement dans la Révolution, mais avant, et, et qu'elles n'ont pas euh, exactement la même. Euh, euh, nature que celle euh, des états unis je, je, et je pense que c'est important parce que épistémologiquement, on a oublié euh, le, souvent on oublie euh, que c'est pas euh, possible de décalquer euh, le modèle américain sur le modèle français, que ça n'a pas la même efficience et, et je pense que là il y a quelque chose d'intéressant à, à interroger je, je pense que c'est effectivement... Enfin, moi, je ne considère pas qu'effectivement, comme vous le dites, euh, on peut décalquer euh, des, des, des situations aux autres. Je ne suis pas d'accord avec ça, effectivement. Je pense juste que cet argument a été utilisé pour euh, nier totalement le débat. En fait, c est, c est, je, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de s'interroger de, 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 de sur les spécificités françaises. Vous, vous parlez de la ligne de couleur. Euh, il y a quelque chose qui est peu pris en compte. Enfin, je ne sais pas si c'est peu pris en compte ou c'est pas pris en compte. J'ai l'impression que parfois, on, on réduit la question de la race et de la colonisation à l'État français métropolitain. Qu'est-ce qui se passait dans les, te, les territoires colonisés euh, Qu'est-ce qui se passait je, je me souviens d'avoir lu un, un livre de, de Thomas Deltombe sur la décolonisation au Cameroun, euh, et où il disait qu'il y avait une ségrégation dans les églises entre les noirs et les blancs. Quand le Cameroun était sous domination française, qu'est-ce qui se passait dans les les outre-mer anciennes colonies Donc, je, je, je comprends la nécessité de d'affiner le de, de, de ne pas dire c'est exactement comme aux États-Unis. Mais je pense que enfin même les Français ne diraient, enfin même les antiracistes ne disent pas ça. Ils disent juste que cette question est plongée dans l'histoire. Et, 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 en fait, la question de la race, c'est l'histoire française, en fait. C'est aussi l'histoire française. Bien sûr, la question de la race, c'est l'histoire française. La question, c'est comment elle est, elle est configurée. Mais si sûr. on veut faire changer des choses euh, en France, est-ce que ce sera avec des outils analogues à ceux des États-Unis ou pas Et c'est ça, la question. C'est-à-dire que c'est en termes d'efficacité qu'il y a une question à se poser. Et je, je suis d'accord sur le fait que, souvent, la disqualification du modèle américain, c'est une disqualification, en fait, de la question en bloc. Mais souvent, il y a aussi une surdité... Euh, sur le travail qui est fait pour comprendre euh, les, les impasses euh, de, de l'invention euh, républicaine mm -hmm. à différents moments et aussi ses succès. C'est-à-dire, euh, malgré tout, il y a des choses qui sont inventées euh, par... Il n'y a pas d'homogénéité de l'idée républicaine. Et donc, il y a des républicains qui ont pensé une égalité mm -hmm. et d'autres qui ont réalisé de la domination. Et donc, il y a quelque chose à, à saisir. De la conflictualité politique spécifiquement de l'histoire française mm -hmm. pour pouvoir atteindre les tréfonds de l'histoire française. Qui émise voilà. une dernière euh, réponse à, la, à cette euh, interpellation finalement de, de Sophie Vanish euh, J'aurais bien aimé qu'elle poursuive du coup ce, ce, sa, la, sa la, réflexion la, pour la, voir ceux qui ne va va pas avoir le temps. Ah. Ceux ah. Qui qui oui. <laughs> le Je suis désolée, mais, bon, mais, mais en gros. Ceux qui abolissent l'esclavage oui, qu ne discussion. sont pas ceux qui colonisent. Et c'est important de le savoir. Voilà. Oui, bien sûr, ah. mais ceux qui mais, abolissent l'esclavage... coup, les... pas les mêmes modèles républicains mais, Par exemple, ceux qui abolissent l'esclavage mettent aussi en place euh, euh, un système qui fait qu'il y ait une indemnisation des, des anciens propriétaires et qu'il n'y a, a aucune aide qui a été mise en place. Par, euh, euh, pour pour les anciens esclaves enfin les anciens esclaves non donc... non ceux qui abolissent l'esclavage en 1794 ah bah, non, pas je en 1740 mais on va pas, pas avoir le temps bah, donc non, on, il faudra va, on recommence on va, ouais on ouais. va mais, euh, <laughs> mais, mais en fait c'est des lieux autogestionnaires qui se mettent en place puisqu'il reste une okay. 30 secondes et demie <laughs> euh, avec euh, les euh, l'abolition de 1794 mm -hmm. ce qui se met en place c'est sur les lieux des plantations la possibilité de créer des lieux autogestionnaires qui sont des euh, euh, en fait des coopératives extrêmement modernes avec à la fois abolition de l'esclavage et invention de rapports qui ne sont plus les rapports capitalistes classiques. Mmh. Donc c'est important d'aller visiter ça pour Ouf. avoir des contre-modèles qui, qui ont une histoire euh, quand même profonde euh, dans, dans ce pays. Et donc, Parce a, sur, sur la, donc là, au fond, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre aujourd'hui On voit bien que c'est une discussion qui est importante et qu'elle doit continuer sur l'interpellation stratégique. En termes de stratégie, oui, est-ce est que, cette, est -ce que le, la non mixité choisie est une bonne stratégie aujourd'hui dans le contexte français Je pense que, euh, je pense qu en fait, ça dépend de ce qu'on attend de la non mixité, par exemple. Ouais. Euh, je, à, mon, à mon sens, c'est une bonne stratégie parce qu'elle construit de l'autonomie et dans le cadre français sur la, que, sur ces questions, euh, euh, le, sur la question de l'antiracisme, euh, les, les, les militants euh, antiracistes euh, ont du mal à construire cette, euh, cette autonomie. Donc pour moi, la non mixité permet en fait de pouvoir ensuite potentiellement construire des alliances qui sont plus saines, plus égalitaires parce que euh, le fait est qu que là en l'état actuel des choses, euh, ce, on n'en est pas à ce stade-là. Ensuite, après, on peut... Euh, je, 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 C'est pour ça que pour moi, elle est nécessaire, on doit passer par là. Donc, euh, Parce que pour moi, l'autonomie, elle, euh, elle est fondamentale pour pouvoir ensuite porter euh, des argu un argumentaire et avoir des gens en face de moi qui se disent « je n'ai pas le choix, je dois l'écouter si je dois m'allier avec elle », en fait. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. – OK. Bon, bah écoutez, merci, merci beaucoup à toutes les deux. C'est extrêmement frustrant, mais on a déjà cinq minutes de retard, donc il faut absolument qu'on arrête. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive par ailleurs ce débat sur Mediapart, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de choses à, à dérouler. Mais vraiment, merci beaucoup de vous être prêtés à cet exercice.